Qui s'appelle Colette. Bonjour Colette, comment tu vas? Pas trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je trouve que vous êtes courageux là de chanter. Bah pourquoi tu trouves qu'on est courageux? Ah, parce que je trouve que pour chanter il faut de l'espoir. Et puis moi de l'espoir j'en ai pas beaucoup. Bah pourquoi t'as pas d'espoir? Ça fait combien de temps que t'écoutes plus les nouvelles à la radio, toi? En plus, avec Trump qui devient le président des États-Unis. Non, mais tu sais, le problème, c'est qu'on donne beaucoup trop d'espoir aux hommes, en fait. L'espoir, il vient pas des hommes. Ouais, ben ça, c'est pas un scoop, hein. Je peux dire que si l'espoir, il venait des hommes, on le saurait, hein, mesdames? Oui, mais sauf que l'espoir, il vient pas non plus des femmes. Ouais, bah pour tout dire, j'avais compris. Hein. Alors, il vient de qui, l'espoir? De Dieu, ça va. Ben, l'espoir, il vient de Dieu. Ouais, tu sais, Dieu, pour moi, c'est vachement vague. Hein. C'est lointain comme histoire. En fait, j'ai l'impression que j'ai jamais eu la bonne moyenne pour oser pouvoir croire en Dieu. Ben, c'est pour ça qu'il y a Noël. Pardon? Je dis, c'est pour ça qu'il y a Noël. Dans quel sens que tu parles de quoi? Ben, dans le sens que Noël, c'est justement le message qui vient contredire toute la logique qui nous fait croire qu'il faut qu'on soit bon pour que Dieu s'intéresse à nous. Ah. Parce que c'est ce que tu me disais avant. Ouais, c'est ça. Noël, c'est l'espoir qui... C'est le message qui nous dit en fait que Dieu s'intéresse, pas à la moyenne de nos vies. Dieu, il s'intéresse juste à nos cœurs qui ont besoin d'être aimés sans raison, et il s'intéresse à nos cœurs qui ont besoin d'être guéris de nos blessures. Ouais, bah je peux dire qu'il y en a en plus qui font vachement mal. Eh ouais. Les blessures qui nous font le plus souvent mal, c'est celles qui parlent de séparation, en fait. Parce que ça nous rappelle une séparation encore plus profonde dans notre cœur avec celui qui nous a créés, qui nous aime. Ouais. Bah, je vais pas casser ta joie, là, mais juste, tu sais qu'on n'est pas du tout sûr que Noël, c'est le 25 décembre. C'est pas grave, c'est pas ça qui est important. On fête pas la date, nous, on fête l'événement. Et l'événement, c'est quoi? Ben, l'événement, c'est que Dieu a fait le premier pas pour pouvoir nous rejoindre et puis parler à nos cœurs, les toucher. Noël, ça veut dire que Dieu a mis son pied sur la terre, et s'il a mis son pied sur la terre, c'est qu'il est capable aussi de toucher nos cœurs. Et ce sera le prochain chant, « Tu as su toucher mon cœur ». Mesdames et messieurs, la chorale d'église en marche. Oh.
l'éternel qui m'a aimé. Oh Jésus, tu m'as rencontré. Le seul Dieu, l'éternel qui m'a sauvé. À la croix, tu m'as pardonné. Le seul Dieu, l'éternel qui m'a aimé. Seul au monde.
Tulle, encre, j'ai cet espoir. C'est un chant qu'on vous laisse vraiment comme une grande espérance pour cette semaine. Donc la chorale d'Aigle-Ise en Marche. Aigle-Ise en Marche, vous avez peut-être vu deux, trois fois des t-shirts un peu bleus qui sont là pour vraiment servir la ville. C'est ce qu'on veut et on veut vous laisser aussi ce dernier chant. J'ai cet espoir comme une belle note pour la fin de ce dimanche. Mon espoir.
vie. Alors je lève les mains cette fois les trois. Et je poigne les mains chacun ses portes. Rien ne pourra plus jamais m'arrêter. Plus jamais m'arrêter, je me dis de louer.